ce soir, je vais jouer avec l'Orchestre National de Lyon. Je me réjouis particulièrement de cet événement, puisqu'il y a 15 ans déjà, je suis venue jouer ici avec l'Orchestre des Jeunes de Lyon. De rejouer avec ce même orchestre, avec des gens qui étaient donc mes professeurs, qui sont maintenant dans l'orchestre, c'est très spécial. De partager ce moment musical avec eux, c'est quelque chose de très fort. Être à Lyon signifie beaucoup pour moi, puisque c'est une ville où j'ai grandi. Donc je suis allée au collège, au lycée ici, j'ai fait mes études au conservatoire ici aussi. Donc il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses très très personnelles. Donc c'est vrai que de revenir ici, c'est quelque chose de spécial. J'ai toute ma famille qui vient, j'ai des amis de très longue date qui viennent au concert aussi, mes professeurs, professeurs de musique de chambre, de basson, de clarinette même. Donc voilà, tout le monde va se retrouver donc, ce soir pour le concert du Concerto de Mozart. Donc forcément, d'avoir tout ce monde-là dans la salle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Presque un petit peu stressant aussi. J'ai passé la plus grande partie de mon adolescence en haut de la colline de Fourvière. Je suis allée au lycée là-bas, donc je prenais le funiculaire tous les matins, très souvent un peu en retard. J'ai couru un nombre incalculable de fois pour réussir à la voir. Et puis sinon, j'ai fait énormément d'allers-retours entre le lycée et le conservatoire de région, qui est donc en haut de la colline aussi. Voilà, donc le conservatoire de région en haut, près de la basilique de Fourvière, qui est quand même une emblème de Lyon. Et puis plus tard, je suis allée au conservatoire supérieur, donc qui est lui sur les quais de Saône, donc beaucoup plus bas. Lyon, c'est une ville très agréable à vivre, très belle. C'est la ville de la gastronomie en France. Énormément de choses, et pour moi ça signifie énormément. À chaque fois que j'entends là-bas, c'est quelque chose de très spécial. C'était vraiment un retour à la maison.